Merci. S'il n'y a pas d'autres explications, Madame Lienemann. Si chacune et chacun d'entre nous a pris soin de lire l'ensemble du code de l'urbanisme, vous verrez qu'il y a dans de très nombreux endroits plus des incitations culturelles, disons de bonnes pratiques, que des éléments normatifs. Alors on peut s'interroger pour savoir s'il faut en revenir qu'à des trucs normatifs ou s'il faut considérer que ça contribue aussi à modifier culturellement nos pratiques. En l'état actuel du droit, vous verrez qu'il y a plein d'endroits où ça n'est pas stricto sensu normatif et où on est dans l'incitation à prendre en compte dans nos réflexions, dans nos documents, un certain nombre de nouveaux éléments. Et dans les nouveaux éléments contemporains, j'ai parlé tout à l'heure de la question de l'artificialisation des sols, mais cette résilience des bâtiments est essentielle. On va avoir des mutations avec des catastrophes naturelles, des évolutions du bâti et toute une série de structures de notre bâti qui méritent d'être pensées avec beaucoup plus d'anticipation que ce qu'on a fait jusqu'à présent. Alors, je peux comprendre des arguments sur ce n'est pas normatif, mais alors dans ce cas-là, je suis à peu près sûre qu'un tiers du code de l'urbanisme peut disparaître. En tout cas, cette évolution culturelle-là, il faut la soutenir. Et en l'état, je pense que cet amendement y contribue. Merci.